Chers amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. 48e épisode du juste bistrot qui ouvre ses portes aujourd'hui. Ah, je suis un peu sombre, je suis un peu dans l'ombre, tu vois, j'ai mal réglé mes lumières, bouge pas. Je vais bouger une lampe si je ne fais pas une Claude François. Hop là, voilà. Et... Elle est pas belle la salade, si je ne vous fais pas une Claude François en direct, il y a peut-être trop de lumière, on dirait un interrogatoire de police, mais c'est pas grave, dites dans le chat si euh, ça vous convient, euh, on fait ce qu'on peut, on bricole, on fait ce qu'on peut, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous êtes en grande forme les amis, alors on va ouvrir, ouvrir là-dessus très clairement parce que c'est vrai que là... Aujourd'hui, on fait Griezmine. Euh, gros, gros soutien. Forcément, on pense à nos amis euh, des Landes. On pense à nos amis des Landes. Du côté, voilà, euh, la Teste de Buche, euh, Arcachon. Euh, courage, courage aux pompiers mobilisés hein, 1700 pompiers mobilisés, euh, par là ça commence à cramer en Bretagne, ça recrame à nouveau euh, dans le sud du côté de Marseille, ah, on en a gros sur la patate, hein. ouais, merci à Miss Dins, ça ça même la banane qui vient de Subprime, merci beaucoup Miss Dins que j'embrasse euh, merci à Edouard, Edouard qui vient de ça, bah, il est fort, ah, il va me mettre ça en note de frais derrière, je le connais, il a été formé chez les Balkani. non mais merci je taquine, je taquine. Merci à vous les amis. Voilà, ça ça crame aussi en Espagne. Merci à copain Romain. Ça commence sur les chapeaux Vous êtes en très grande forme. Ça c'est coolos. Merci Copé Romain qui vient de 4 quatrième moi, BarbaTruc également qui vient de subprime, ce C'est un démarrage, en fanfare, je le dis. Euh, donc, ouais, ouais, ouais les amis, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud. Donc voilà, je voulais commencer avec ça. Soutien à nos amis pompiers. Bon courage à toutes les personnes hein, qui ont dû être déplacées de chez elles, que foutues dans des gymnases, dans des hôtels. Où on se débrouille. Euh, voilà, un bon courage. Euh, mais on va quand même. Ouais. Je vais commencer pleine balle avec cette affaire. Voilà, c'est un juste bistrot particulier, donc paf. Voilà, ouais, j'ai pris une gorgée de café, on va démarrer plein de mal. Je vous le dis, je suis à fond. Euh... Ouais, parce que grognon, quoi. Grognon. Grignon. Ouais, on me dit, euh, en Gironde, voilà. J'ai dit les Landes, mais Gironde, les Landes, t'as compris. De la, la, toute façon, la géographie, ça a jamais été mon truc. Si je regarde, si j'avais pas lu les journaux ce matin, je t'aurais dit que c'était en Alsace. Donc voilà, mais soutien aux pompiers, de manière générale. Euh, donc non. Très clairement, euh, ouais, on commence un, un instant grognon, on commence plein de balles, parce que c'est vrai que euh, la symbolique est forte. La symbolique est forte. Euh, on se rappelle, en 2007-2008, quelque chose comme ça, il y avait eu de gros incendies en Grèce. La France, sûre de ses moyens, avait envoyé hein, des, des canadaires et compagnie pour aider nos amis grecs. Euh, là, aujourd'hui, en France, euh, on n'est on est pas capable d'éteindre des, 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 des feux terribles, des incendies terribles, euh, on a nos Canadair et d'autres avions qui sont localisés du côté de Nîmes. Il y a environ 30% de la flotte qui est, qui est pas réparée. Euh, il faut attendre une semaine pour que le ministre de l'Intérieur te dise « Non, mais on va envoyer du monde en plus, du matériel en plus, des camions en plus euh, ». Mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe tu vois Moi, je veux bien qu'on envoie des milliards d'euros à l'Ukraine. Euh, on ne sait pas trop à quoi ça sert l'argent. Mais je veux bien, tu vois. Mais au bout d'un moment, là, je te dis, je vais vous miner le moral. On commence pleine balle, mais après on va déconner, quand même. Puis hein. il y a de belles choses qui arrivent. Je dis, je suis en train de me faire dessus. Ça me coûte un budget slibard terrible parce qu'il y a des spectacles qui arrivent. Donc je commence grognon. Après on déconne. Euh, mais bon, l'éducation, c'est n'importe quoi. T'as les types qui arrivent au lycée, ils savent va peiner euh, On peut plus soigner les gens. T'as des urgences qui ferment la nuit. Euh, t'as des forêts qui crament, on sait plus, on a plus assez de pompiers, on a plus assez de matériel. Et heureusement qu'on peut compter sur des pompiers qui sont des héros. C'est-à-dire qu'ils vont au feu, euh, à cause, enfin, à cause. C'est un autre débat, mais ça rentre dans le jeu. Merci à Claudiscus92 qui vient de se... Merci mon Claudiscus. 5 mois d'abonnement, c'est magnifique. Euh, donc euh, voilà des pompiers qui vont au feu sans discuter avec un matériel comme nos militaires, hein, derrière, comme nos militaires. Merci à Alexandrine59 également qui vient de Subprime, voilà, complètement fou. Euh, voilà, comme nos militaires, genre, mat le matériel en désuétude complet, pour filer des canons à l'Ukraine, il y a du monde, mais pour s'armer nous-mêmes, il y a personne. Euh, pour éteindre des feux, aujourd'hui on n'est pas capable. La Grèce et l'Italie nous ont envoyé du matériel pour nous aider. Euh, faut, faut, symboliquement il faut prendre conscience de ce que ça veut dire donc on sait plus éduquer nos enfants on peut plus soigner euh, les gens euh, nos anciens dans les EHPAD laissent tomber tu vois. Euh, là dans Libération ce matin on a même pour affronter la canicule alors qu'on a le mauvais souvenir du drame qui avait eu lieu en 2003 même dans nos EHPAD on a plus les moyens pour aider les gens euh, éteindre des feux maintenant faut qu'on demande de l'aide à la Grèce en fait et, euh, et, et puis tu regardes tu dis bon euh, les poéticiens ils vont, ils vont réagir tu vois euh, ils vont, ils vont dire quelque chose, quoi. Euh, bah ouais, t'avais Gabriel Attal ce matin, il était sur France Info, il en a parlé, et ils te disent, attends faut que je te retrouve la citation parce que non mais je suis grognon, voilà, je le dis, je suis grognon. Euh, il t'a dit quoi euh, On a, voilà, écoute, donc tout crame. Aujourd'hui, on sait même pas si la ville d'Arcachon va pas être rayée de la carte à ce rythme-là. Écoute ce que te dit Gabriel Attal ce matin sur France Info. Ah voilà, je vais pas configurer mon truc. Ah, c'est une journée, attention, je suis chafouin. Ah, ouais, ouais. Euh, historique, hein, une des plus intenses qu'ait connue la France, avec des records battus dans plusieurs villes. Brest, par exemple, record pulvérisé qui date à 49, 39 degrés hier, c'est 4 de plus euh, que le précédent record. Et il y a ces incendies qui ravagent une grande partie euh, du pays, la Gironde notamment. Est-ce que vous avez déjà une première estimation des coûts euh, de ces incendies euh, monstrueux D'abord, euh, je veux avoir un mot de solidarité euh, extrêmement appuyé euh, pour euh, l'ensemble des personnes qui sont impactées par euh, ces incendies. Évidemment, les riverains, évidemment, les collectivités locales et évidemment, les femmes et les hommes qui se battent contre le feu. Je pense évidemment à nos sapeurs-pompiers, je pense aux agents de l'ONF, l'Office national des forêts, je pense à l'ensemble des personnes et les élus notamment qui concourent à faire en sorte de protéger les riverains et de lutter contre ces incendies. On a beaucoup augmenté ces dernières années les moyens de la sécurité civile, plus de 200 millions d'euros, je le dis en tant que ministre du budget, pour la sécurité civile, pour renforcer notre équipement. On a la plus grande flotte d'Europe en matière d'avions, d'hélicoptères, pour lutter contre les... Voilà, bon bref. Ça m'énerve, ça me rend grognon. C'est-à-dire, alors merci déjà, merci à Esprit Critique et merci à la 15 qui vient de sub, merci beaucoup les amis. Donc tu vois le type, en fait, il manage la France aujourd'hui, ces gens-là. Alors il y a un mot de solidarité, d'accord, mais il manage la France. C'est-à-dire qu'il parle avec des tableaux, avec des PowerPoint. Tu sais, c'est les PowerPoint. Tout crame. Euh, on n'est pas foutu d'éteindre un feu. Tu vois bien que c'est la galère. Il y a cinq campings euh, qu'on cramé à euh, côté du Pila dont le camping des flots bleus de Camping. Tu comprends pourquoi je suis énervé euh, Mais c'est pas le problème pour l'instant. Il y, y a des vrais gens, tu vois. Attention. Mais euh, voilà, mais ça fait chier quand même. Euh, et l'autre, tu lui dis bon, ça euh, quand même de dire qu'il y a un truc, il y a une couille dans le pâté, tu vois. Et il te dis, ouais, mais bon, quand même, d'après les tableaux PowerPoint, on a mis 200 millions. On a la plus grande flotte. Euh, on est meilleur que le Kenya et, euh, et le Vatican en termes d'équipement. Oui, mais ta gueule, en fait. En fait, c'est n'est pas la question. C'est-à-dire que là, euh, comment on fait en, en situation d'urgence C'est très bien que tu aies mis 200 millions. Euh, c'est sûr que si tu compares au Moyen-Âge, on a mis plus 1500 de budget. Oui, mais d'accord. Mais euh, comment on fait à l'heure actuelle et, et, et voilà. Voilà ce, voilà ce qui se passe en France c'est qu'on est managé. C'est du management à court terme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gèrent avec des chiffres et qui réagissent avec des statistiques. Mais le réel, ils n'ont plus de prise avec le réel. Et on te dit, on ferme des urgences en France aujourd'hui, il y a des gens qui vont peut-être crever parce qu'ils ne pourront pas rentrer à l'hôpital le soir, faute de personnel. Et ils te disent, oui, mais regardez, depuis 40 ans, plus 15% d'augmentation du budget. Voilà. Ils éteignent des feux avec des PowerPoint. Donc, donc voilà, voilà à peu près où on en est. Et ça, dans, euh, malheureusement, des domaines de plus en plus nombreux. Les agressions au couteau se multiplient en France. D'ailleurs, ben, pensez, hein, pensez et soutiens aux, 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 aux trois personnes décédées à Angers. Euh, on te dit, ouais, mais euh, c'est un fait divers. Ça devient un fait divers. Ouais, les, les agressions se multiplient. Trois morts la même soirée, dont un mineur. Voilà, ça devient des faits divers. Parce que. Euh, si on fait à chaque fois des polémiques, vous comprenez, les gens vont être inquiets. Et ils vont se dire, non, mais euh, attendez, euh, le pouvoir, c'est bon, ils, ils savent ce qu'ils font. Donc, donc, donc voilà où on en est. Par contre, le tweet de Mathilde Panot sur le maréchal Pétain, on n'en a rien à cirer. Euh, c'est l'énième polémique, il y en a toujours une. Quand c'est pas Le Pen, c'est Zemmour. Quand c'est pas Zemmour, c'est Panot. On n'en a rien à foutre, en fait. Euh, mais ça, on en parle. Ça, par contre, on y va plein de mal. Ça, on y va à fond. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, donc, donc voilà à peu près, euh, à peu près où, où on en est. Euh, et, et cette affaire de feu, voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le Ricard, c'est le camping des flots bleus. à moi ça, ça m'a. Voilà. Et voilà, ça, 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 ça je peux pas. Ça j'accepte pas. Donc, euh, donc voilà. Non mais on blague. Enfin je blague. J'essaie de détendre l'atmosphère. Mais, euh, mais c'est terrible. C'est la décrépitude. Hein. C'est la décrépitude. Hein. Ouais, je te dis, aujourd'hui, je suis en Suisse, au début, bon, ouais, je suis en Suisse, je finis mes études, je, voilà, je, je comptais pas rester de trop longtemps, tu vois. Aujourd'hui, je me sens réfugié politique, climatique, euh, intellectuel. Enfin, je, je, suis, je me sens réfugié de plus en plus. Hein. C'est terrible, hein. c'est vraiment terrible. Euh, salut à Manu, Manu4450 qui dit bonjour, et c'est un nouveau, nouveau sur le chat, donc que du plaisir euh, C'est euh, assez terrible. Et, et ce, ce constat aussi, en fait, qui est celui qu'on qu fait ensemble, hein, de, pour beaucoup, mais on débat. Euh, ce constat depuis, euh, depuis les élections présidentielles, que les gens ont, ont, ont voté. Le peuple a voté pour réélire ces gens-là. Euh, et aujourd'hui, on est face à ce constat. Et ils auront de toute façon, pendant 5 ans, l'excuse de... Ah ben ouais, mais vous, avez, vous, avez, euh, vous, vous nous avez élus. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, c'est assez terrible. Je prends des petits messages dans le chat parce qu'il faut se détendre un peu. Ouais, je suis parti, plein de balles. Tadège, Pogachar dans les Pyrénées. Je suis parti vite. Il euh, y a mon Bignat, mon Bignat que j'embrasse d'ailleurs. J'embrasse tout le monde, c'est vrai que je suis parti. Je vais pas saluer tout le monde. Mathieu Flex, mon Bignat, jeune Franchi, Marie de Sarah 76, John Digger. Il y a mon Loïc qui N'hésitez pas à découvrir dans la vidéo d'introduction de mon Loïc qui là sur Juste Culture. Ça y est, format Cinoche. Là, on va là, ça va être chouette. L'intro est sur Juste Culture. Et puis bientôt la première vidéo, vous allez voir. Ah, là, 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 ah, c'est tout ce qu'on aime. C'est la culture, c'est le plaisir. Donc bonjour à tout le monde, les amis. Et bon Bignard qui nous dit Rémi as-tu connaissance de la décision de la Cour de cassation de ne pas qualifier de contravention le fait de manifester même dans une manifestation non déclarée on en parle garde dans les télés effectivement j'en ai entendu un petit peu parler euh, entre autres quoi entre autres hein. entre autres de ce qui se passe non il y a 7763 il dit j'ai vraiment mal à ma France ça c'est vrai plus en plus plus en plus, hein. salut à Babto43 également qui dit bonjour de la Belgique on embrasse nos amis belges, je sais pas ce que ça donne en Belgique, j'ai envie de mettre le plus en plus le, le pif, sur, euh, voir ce qui se passe sur les autres pays, mais c'est vrai que euh, c'est chaud, merci à DJ qui vient de se prendre, merci je, je remonte un petit peu les, les messages hein. euh... ouais c'est c'est terrible, non mais je sens que vous êtes grognon aussi salut à Freuder195 également un petit nouveau euh, ouais alors jocelyne, qui dit t'as vu ce qui se passe au Sri Lanka effectivement on en a parlé hein, sur les derniers Juste Bistro euh, le, le, le palais présidentiel qui a été envahi par le peuple c'est un petit peu le bordel politiquement mais en tout cas euh, en, en tout cas voilà en tout cas ça, ça, ça bouge on va voir on va voir ce que ça donne hein. mais c'est vrai que euh, voilà tu vois la, la canicule il fait chaud il fait chaud ça, ça, on te dit. Tu vois, bon, le matin, je me lève, je lis la presse, et après, je, je fais mon sport. Bon, je sais que ça se voit pas, mais euh, je fais ce que je peux. Euh, et je regarde les chaînes d'infos. Je me dis, voilà, je prends toutes les infos, après, je vais en parler aux copains. Euh, la canicule. Fait chaud. Fait chaud. Je, je dis pas que c'est pas le problème. Hein. Mais euh, quand tu le dis quatre fois en 30 minutes, déjà, ça change rien. Euh, puis, c'est pas en brassant de l'air que tu vas refroidir le climat. Il fait chaud. Et puis tu vois, il, là c'était pendant 2-3 jours, tu avais des départements en rouge, classés rouge. tu vois. Donc la carte a été rouge. La carte laisse tomber, c'était un touriste hollandais à La boule, euh, mi-août. Donc c'était tout rouge partout. Et puis au bout de deux jours, ils te disent, euh, c'est bon, c'est quasiment orange en fait, il euh, y a un redout. Alors qu'on devait tous crever pendant deux jours. Il y a eu un article de CNews, je vais vous le montrer quand même, Parce que pour te dire jusqu'où ça va, regardez l'article de CNews qui est sorti hier. Les canicules, les organes peuvent-ils bouillir à cause de la chaleur <laughs> Je dis pas qu'on nous prend pour des abrutis. Je pense que c'est pire. Je pense que c'est pire, vraiment, parce que on nous, a... enfin, il y a un moule intellectuel, si vous voulez, euh, qui fonctionne, qui est là, qui te dit, toute façon, si tu parles pas de la canicule, c'est que es climato sceptique. Ah, ah bon. Donc oui, bien sûr qu'il fait sûrement plus chaud que d'autres années. Je, 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 je dis pas le contraire. Mais en le répétant 14 fois par jour, euh, ça change rien. Hein. Non, c'est terrible. C'est terrible. Et t'as et des journalistes qui disent, tiens, euh, tu vois, c'est. il n'y a même pas le nom de l'article, Ils ont pas osé. Il n'y a pas le nom du journaliste. Ils ont mis par C News. Mais voilà. euh, qu'est-ce que... T'as des mecs en conférence de rédaction qui disent Tiens, euh, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée pour rassurer. Voilà, faut surtout pas faire peur aux gens, mais peut-être leur mettre en tête l'idée que leurs organes sont en mesure de bouillir. Hein. Euh, bientôt, ne ratez pas l'article. Allons-nous nous transformer en plan de chat Si on se pose une crevette sur le cul, est-ce qu'on part sur un barbecue C'est terrible. Non, non, mais tu vois, quand moi je dis ça, on me dit oui, mais Rémi, euh, t'as un physique bonhomme, t'es un abruti. Je dis pas le contraire. Mais quand ce sont des journalistes. Euh, voilà, je sais pas qui a commencé dans l'affaire à faire le guignol, hein. mais euh, je suis pas sûr que ce soit moi. Donc non, c'est terrible, c'est terrible. Donc ouais, tu vois, je regardais ça hier. Ouais, c'est redoutable. Et, et puis sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ils invitent des types. Euh, Jean-Jacques Placard, vous êtes expert de, de chauffage depuis 1943. Euh, quel est votre avis là-dessus? Mais on s'en fout, Jean-Jacques. C'est Ils ont des experts, mais ils savent plus quoi faire. C'est sidérant. C'est vraiment sidérant. Donc, euh, pff, voilà. Alors, il y a Miss Deans pour, pour continuer un petit peu dans le bazar. Hein. Ça, je m'emballe, mon papote, hein, bien sûr. Euh, le, la, Miss Deans qui nous dit Tu parlais d'une polémique inutile sur Mathilde Panot. Je ne sais pas du tout euh, de, de quoi ça s'agit de qu'est-ce qui s'est passé alors, c était, c était fait, non, mais je vous le résume vite fait, parce que j'étais en train d'écrire le script de La Farce Tranquille, hein, qui sort demain, 62ème épisode, et euh, au, au début je me suis dit je voulais pas en parler, je voulais même pas en parler, et après je me suis dit, oui, mais il y a des esprits chagrins qui vont me dire, euh, Rami, assieds-toi, il faut que je te parle, tu vas passer ta soirée dans le noir, elle est où la polémique si tu n'en as pas parlé, n'es-tu pas un péténiste convaincu? Donc je me suis dit non là, je peux pas me permettre. Euh, donc bon, j'ai regardé. Et euh, Mathilde Panot, elle a fait un tweet. Euh, T'en faut que je te retrouve. Parce... Voilà, il est là. Regarde, bouge pas. Paf je vous le lis, de mon plus bel organe. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça me fait chier, mais on va décrypter le truc, parce que, voilà, faut démêler le faux du faux. Euh, donc voilà, le truc de Mathilde Panot, donc effectivement, on fête le triste anniversaire de la rafle du Veldiv, euh, Mathilde Padon qui dit il ne faut pas oublier les crimes, jusque-là on est bon, aujourd'hui plus que jamais, jusque-là on est bon, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain. Ça fait écho à ce qu'avait dit Emmanuel Macron il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, en disant que euh, Pétain avait été un grand soldat. Si vous voulez, ça dérange les gens qui ont envie d'être dérangés. Euh, si intellectuellement, on n'est pas capable de concevoir que quelqu'un peut faire le bien et le mal dans une même vie, euh, bon enfin voilà ça suffit sauf que les gens qui montent cette polémique en, en épingle sont des journalistes pour la majorité hein, en tout cas ce qu'on entend sont des journalistes des personnalités politiques enfin c'est comme leur métier d'être à peu près lucide et de démêler le vrai du faux et de, et de dire que dans une information bah ben oui ou dans une page de notre histoire il peut y avoir des gens qui à un, à un moment donné de leur vie ont été ont fait le bien ou ont été bien perçus et d'un autre plus tard dans leur vie ont été mal perçus je pense que quand tu as 6 7 ans, tu t'arrives à t'en sortir, tu te dis bon euh, tu as regardé Bambi une fois, la vie la mort. Tu à 7 ans, tu dis bon d'accord. Puis après bon tu as un lapin qui se casse la gueule sur une glace, ça c'est autre chose tu voilà. Mais tu as des notions, tu comprends, tu regardes Disney, tu as compris, tu vois. Toy Story, je l'ai regardé à 8 ans. Bon à l'aube de mes 14 ans, je me suis dit c'est pas possible. Mais j'avais 14 ans, tu vois, même si j'ai eu une marge de manœuvre qui était quand même balèze, parce que je suis con. Mais à 14 ans, j'avais compris que non, t'as pas un cow-boy qui essaie de canne une bergère avec un ranger de l'espace qui saute grâce à des petits militaires en plastique. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ma maman, elle m'a dit Rémi, écoute, t'es un abruti, mais t'as 14 ans, ça va. Bon, bah là, t'as des journalistes qui comprennent pas que le maréchal Pétain a pu être un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale et une ordure dans la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, ça, ils ne comprennent pas. Et ils te montrent la polémique en épingle en te disant Ouais, mais si nous on est des abrutis et que les gens comprennent pas, forcément on va le dire aux gens pour que les gens non plus comprennent pas. Donc on va répandre la bêtise pour que les gens, tu sais, qu'ont autre chose à foutre. t'as une journée de travail, euh, tu regardes la télé, on te dit Ouais, euh, Macron, il a soutenu Pétain, il est néo-nazi. Ah bon Et puis tu éteins la télé, tu vas manger tes lasagnes. Euh, donc forcément, tu retiens ça. Donc les gens, les journalistes, certains sont des abrutis, relaient euh, des, euh, des bêtises en espérant que les gens vont devenir aussi bêtes qu'eux. Donc euh, Mathilde Panot euh, elle refait, elle refait cette affaire, donc voilà pourquoi elle parle de Maréchal Pétain, et puis elle met une balle perdue aux 89 députés Rassemblement National. Gratos. Ça c'est gratos parce que le petit combat politique, pendant que les gens se font taillader dans la rue, qu'il y a tout qui crame, euh, et qu'on euh, n'est pas foutu d'accueillir les gens aux urgences, ils se font des petites polémiques entre eux. Ça sert à rien. Mais euh, voilà, petite balle perdue, parce que tu comprends, les députés du Rassemblement National, c'est un petit peu quand même pétain. Voilà. Si jamais toi tu vois pas le lien, on te le dit. C'est un peu pétain. C'est un peu pétain quand même. Mm. Alors attention, hein. euh, ce qu'il faut pas dire à Mathilde Panot, bon, ça reste entre nous. Hein. J'ai rien dit, d'accord euh, Ce qu'il faut pas dire à Mathilde Panot, c'est que, en fait, euh, René Bousquet. Ouais, qui, est, qui est le principal responsable de la rafle du Valdiv. Euh, de tradition politique, il était radical socialiste. Un petit peu comme elle, du coup. Ouais, 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 ouais. Il aurait pu être dans la nupesse. Ouais, je caricature. Mais il ne faut pas lui dire. Il ne faut surtout pas lui dire. Parce que euh, si tu dis ça, euh, Mathilde Panot, elle explose, en fait. Ouais, non, mais pour te dire, en fait, euh, le sens de la polémique se bagarre avec le détournement de l'attention. Le refus de parler du vrai problème des citoyens, et en plus, la méconnaissance historique. C'est-à-dire que ouais. l'histoire devient une, une, un, un tract politique qu'on peut manipuler à son aise, en fait, à sa guise. Et euh, faut surtout pas dire ça, Mathilde Panot. Que, euh, bah, en fait, la collaboration, il n'y avait pas que des gens d'extrême droite. Il y en avait beaucoup, mais il n'y avait pas que ça, en fait. Et, et ça, euh, laisse tomber, quoi. Tu, tu vois ce que je te dis là J'ai ouvert Wikipédia. J'en avais, en avais entendu parler, j'avais lu quelques livres qui traitaient de ça. J'ai ouvert Wikipédia, la, la, la page Wikipédia de, de René Bousquet, et, euh, et tu lis. Hein. Son père était radical-socialiste, il a un parcours politique qui est proche de cette frange-là. Et Mathilde Panot, elle a pas dû lire. Par contre, elle te fait des tweets où elle met des balles perdues et elle t'explique ce qu'il faut penser. Que en fait, euh, euh, les députés RN, c'est un peu pétain, en fait. Donc avec des raccourcis comme ça, bah, Mathilde Panot, c'est un peu Bousquet. Moi, je veux bien. Hein. Mais euh, c'est triste, quoi. Donc, donc voilà un petit peu ce que si vous voulez. Et ça, ça fait la une des journaux. Là, ça, le tweet est sorti le 16 juillet, on est le 19. Euh, ça, 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 tout le monde en parle. Sur, sur les médias, tout le monde en parle. Par contre, ce qui s'est passé à Angers, euh, donc avec un agresseur euh, qui est un réfugié politique soudanais, euh, qui a failli se faire lyncher d'ailleurs par la population, qui en attendant l'intervention. Euh, de la police le peuple a arrêté le type ils ont commencé à lui péter la gueule la police enfin, c'est le Figaro hein, qui a ré révélé ça hier euh, la police a dû extraire le type pour le mettre en, sous protection en fait et après il recevait des jets de bouteilles euh, pour pour, pour, pour il voulait le finir hein. le peuple ah oui non c'était c'est voilà c'est n'importe quoi par contre là l'espèce le, de cours d'histoire de Madame Panot ça c'est bien ça ça fait trois semaines donc non mais voilà alors, il y a Killer Flirtini qui dit ⁇ Vous vous égarez Rémi ⁇ Alors, dis-moi par rapport à quoi, quand même Parce qu'effectivement, je, je, je veux bien, là, je suis parti plein de balles. Dis-moi par rapport à quoi tu veux remettre l'église au centre du village, on papote, c'est normal. Il euh, y a Laurent, 20, de, euh, 2200, qui dit ⁇ Bonjour, Rémi, Pétain est un facho, même 139,45. ⁇ Oui, non, mais... Cher Laurent, cher Lolo... Euh, ouais, d'accord, mais quand on a dit ça, en fait, on n'a rien dit. Déjà le terme de facho aujourd'hui on le met sur n'importe qui. Tu prends le bus, tu dis pas bonjour au chauffeur, tu peux tomber sur quelqu'un qui te traite de facho. Soit l'histoire, on la respecte et on utilise des termes cohérents, sérieux, soit on fait tout à l'emporte-pièce. Et Pétain est un facho, même 13945 45 D'accord, mais c'est-à-dire. C'est aussi ça le truc. Je, voilà, entre nous, en juste bistrot, voilà. ne nous égarons pas, en fait. À reprendre les formules du moment où on, on se donne des allures euh, de, de, de bienveillant, comme ça, à, à défendre l'histoire et tout ça, en lançant des mots à l'emporte-pièce. C'est quoi le fascisme, débat Déjà. Si on prend la nature du fascisme et qu'on comprend que. Et, et qu enfin, qu'on. Qu 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 par exemple, on. On se dit que Gabriele D'Annunzio, qui est un écrivain italien, sort d'aventurier, qui avait une vie absolument zinzin, qui a été un des mecs qui a inspiré la fondation du fascisme en Italie. Le fascisme est né en Italie, et que un des piliers pour D'Annunzio du fascisme, c'était le culte de la personnalité. Quand moi je vois Emmanuel Macron qui arrive à la télé, et qui nous explique qu'il se compare au dieu vulcain, en termes de culte de la personnalité, on en est où Donc c'est ça le truc, c'est que si on mobilise des pages de l'histoire. Pour s'éclairer aujourd'hui et dire oui, mais Pétain est un facho, donc si on parle de Pétain, machin, ok, mais si on regarde l'histoire sérieusement, on peut dire que Pétain est un fasciste, d'accord, ok, bien sûr, travail, famille, patrie, on est d'accord, mais, mais aujourd'hui, on en est où par rapport à ça Et, et c'est là où ce débat, je pense qu'il faut le prendre sérieux, il faut le prendre sérieusement, parce que si on fait du. Euh, si on fait du Twitter en permanence, on devient zinzin et on se dit que Mathilde Panot elle, elle, elle dit des choses formidables. Je, je reprends le, les, les réactions dans le chat, parce que ça fait beaucoup, beaucoup réagir, et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, donc je papote avec vous les amis. Il y a Hardiska qui dit « Attention, les socialistes radicaux ne sont pas du tout l'équivalent de la France insoumise aujourd'hui. C'est un courant distinct où le terme radical n'est pas à prendre au sens d'aujourd'hui. » Oui. J'imagine bien, c'est pas ce que je dis. La France insoumise n'existait pas avant. Voilà, je, fais la, je fais la précision. Mais euh, oui, je suis d'accord. Mais on est d'accord qu'en termes de couleur politique euh, Mathilde Panot est plus proche de René Bousquet que René Bousquet l'est euh, d'Éric Zemmour, par exemple. Hein. Déjà par, en, en, question de, en, en termes de, de confession, qu'on soit bien d'accord. Euh, Gaëtan du 44 qui dit « Est-ce que la gauche française sait que les systèmes de protection sociale ont été inventés en Allemagne par un ultra-conservateur Bismarck euh, ?» Mister Zirizawa 76 qui dit « Pétain a quand même été appelé pour la guerre de 39-45 justement parce que c'était un héros de guerre de la première, pas parce que c'était un afro collabo qui allait faire ce qu'il a fait. » Euh... c'est intéressant, il y, y, y a du monde, hein. c'est chouette. Encore un débat qui fait réagir, mais c'est le but du jeu, les amis. D'ailleurs, je le redis, si vous voulez intervenir sur Discord, bien sûr, en fait, n'hésitez pas hein, sur le Discord juste mieux. Vous nous rejoignez, euh, vous, vous manifestez en salon vocal, on peut papoter ensemble pour discuter, hein, parce que attention, c'est pas parce que je suis seul à parler que j'ai raison, qu'on soit bien d'accord. Au contraire, ouais. au contraire. Euh... Alors, il euh, y a Nelson Mandela qui dit ah oui après Jupiter c'est Vulcain et ben euh, Jean-Louis Payan, Jean-Louis mon Jean-Louis que j'embrasse qui dit d'ailleurs Hitler était socialiste aussi. Le parti d'Hitler était national-socialiste absolument et personne ne fait un procès au PS de porter le nom euh, d'un parti euh, du parti d'Adolf Hitler. De toute façon bon Anne Hidalgo à mon avis elle pense encore que Adolf Hitler c'est un salon de coiffure à la mode donc euh, je me fais pas trop de soucis là-dessus mais c'est vrai que non c'est redoutable. Euh... Euh, a, alors, il y a du monde. Euh... Dadao76, effectivement, ça, ça c'est de la philosophie morale, et je suis d'accord, Dadao76 qui dit Qu'aurions-nous fait à la place de Pétain Effectivement, sur Twitter, on est tous des sauveteurs de l'humanité, clairement, très très clairement. Euh, maintenant, euh, d'ailleurs, c'est intéressant. Mon Dadao76, il, il me relance, il me relance, là, il a remis une pièce dans le jukebox. Euh, on, on dit aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant à observer, c'est que. Euh, on est tous voilà, les garants de la morale. On est tous des sauveteurs de l'humanité. Euh, on a tous des valeurs morales hors du commun. Sur Twitter, tu regardes, je veux dire, personne n'aurait collaboré, personne n'aurait dénoncé quoi que ce soit, tout le monde aurait résisté. Peut-être, peut-être. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que quand le Covid-19 s'est pointé, dans beaucoup de coins de France, notamment, il y avait un arrondissement à Paris où la maire d'arrondissement avait dû faire un communiqué, dans la, dans la, dans, enfin, un communiqué de la mairie, un communiqué officiel, pour inviter les gens à arrêter de faire des dénonciations à la police, parce qu'il y avait des, des gens qui dénonçaient leurs voisins en disant ils sont sortis ou ils ont pas de masque ou ils ont pas de machin. Donc, c'est formidable de voir cette France où plus personne n'aurait collaboré, forcément, la honte, lamentable, la haine. Euh, et que le Covid arrive et qu'on voit des gens qui se balancent entre eux, on voit un état policier qui s'installe et que ça dérange personne. Rappelons quand même que euh, la, la, la rafle du, du Vel'Div s'est faite dans un cadre légal tout à fait euh, accepté, enfin, pas, accepté par beaucoup de gens, accepté par beaucoup de gens, pas tout le monde, mais c'est là où on voit aujourd'hui que euh, les grandes âmes, euh, bah, quand arrive un contexte grave, ben finalement, elles sont grandes que sur Twitter et que ces dénonciations, ces phénomènes de collaboration d'une certaine manière, on les a vus, on les a revus, on les a revus s'installer. Bien sûr, dans des contextes complètement différents. On est d'accord, je fais la précision, mais je crois qu'il n'y a, a pas nécessairement besoin. Mais on voit quand même que, attention, moi je, je me méfie beaucoup euh, des, des gens moulins du tweet, on va dire, des gens moulins du tweet. Quand il s'agira euh, de vraiment s'opposer à la loi, là on en reparlera, là on en reparlera. Euh, alors il y a le gamer du palier. Je reprends des, des messages qui dit le socialisme du national-socialisme n'est qu'une propagande électorale pour tenter de duper le vote ouvrier. Ça n'a d'ailleurs pas bien marché. Les ouvriers n'ont pas voté pour Hitler. Cher gamer du palier, parce qu'aujourd'hui dans un contexte complètement différent, je fais pas de comparaison, on est bien d'accord. Tu crois vraiment que le terme de socialiste en 2022 sert à ne pas duper les ouvriers Anne Hidalgo la dernière fois qu'elle a vu un bleu de travail, c'était dans Camping Paradis. C'était dans sa télé. Donc euh, je, je suis absolument d'accord avec ton raisonnement, mais dans des contextes complètement différents, avec des personnalités complètement différentes, ça s'applique aussi. Euh, alors je reprends. Il euh, y a Black Wolf 1986 qui dit, ou comme tous ceux qui appellent à une guerre en Ukraine, qui ne mèneront jamais eux-mêmes, absolument. Les guerre les de LCI, c'est Antoven qui s'était fait remettre à sa place par, euh, je sais plus quel, quel reporter euh, régisse le sommier, je crois, ou le, le sommaire, je sais plus. Euh, Antoven, voilà, qui dit oh, « Faut faire la guerre, faut libérer le monde », et tout ça, et le, cet invité, c'est bien, qui lui dit bah, « allez-y, bon, allez-y ». Et Antoven qui a dit oh, « me comprenez, les armes à la main, je suis moins bon », de ça, et il lui avait fermé son caquet. Parce qu'effectivement, moi aussi, je peux vous dire, la paix, tout, rien ne vaut la guerre, il faut lutter contre la guerre, euh, faire la guerre à la guerre. Euh, bah ouais, mais j'irai pas. Si je suis pas obligé d'y aller, euh, moi je reconnais humblement mal acheté hein. Je, je, très clairement, j'irai pas me battre en Ukraine. Je, je préfère jouer au vrai lâche qu'aux faux soldats. Euh, donc je, voilà pourquoi j'irai pas appeler euh, à ce que d'autres aillent se faire crever la peau. Euh, non, je, bien sûr que j'aimerais bien la paix dans le monde moi aussi. Par contre, à moins de m'y obliger, non, je suis pas très chaud d'aller à la guerre. Donc je vais pas faire des leçons de morale à dire il oh, faut faire la paix. Voilà. Non, mais Je suis désolé, hein, je, je suis un peu brut de décoffrage aujourd'hui. Mais euh, euh, Cracker centre qui dit. Euh, qui, qui vient de Subprime, voilà, tout simplement. Merci mon Cracker centre merci à toi. Euh, et c'est vrai, hein, Sol Donna qui, qui soulève un point. Euh, moi, me battre pour la France aujourd'hui, c'est non, ça, ça soulève un point. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on, on en est là, quoi. On, on en est là. Enfin, ça, 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 c'est encore un autre débat, mais c'est. Euh... Ah, c'est terrible. Ah non, aujourd'hui, tu vois, c'est pas la ricanade. C'est pas la ricanade, mais bon, il euh, y a des sujets. Il hein. y a des sujets, il hein. faut en parler. Hein. Moi, je dis. Euh... Hein, faut, faut oser, faut oser. Donc, euh, je reprends un hein, des messages du, du chat. Ça fait beaucoup papoter. Moi, je, oh, je suis content quand je vois comme ça. Ça se bagarre, c'est bien. Euh, alors, il y a Léagophile qui fait une précision, effectivement. Rappel ce n'est pas Pétain qui a gagné à Verdun, ce sont Castelnau, Nivelle et Mangin. Mais par ailleurs, ce ne sont aucun de ces quatre qui ont gagné à Verdun. C'est le million de poilus et eux seuls, dont 1 sur six ils ont laissé leur malheureuse peau. Effectivement, on est d'accord. C'est une nuance qui est très importante, je suis absolument euh, d'accord. Euh, euh, Clermont 19, qui dit le conformisme à l'éducation actuelle est fait pour éteindre la libre, le libre arbitre des populations. Euh, on a quoi d'autre euh, Jean plus qui dit j'étais dans l'armée d'air il y a 15 ans, mais aujourd'hui, hors de question de me battre pour ce pays. Euh, Cody Khan, qui dit faut envoyer les boomers macronistes en première ligne. Ça leur fera les, la b. Trois petits points. Je sais pas, la besace. La besace peut-être, je ne sais pas. Euh, tigrou31, qui dit tu as juste un discours logique, ce qui est rare aujourd'hui. Ouais, mais t'imagines, si une banane flambée comme moi euh, à ce genre de discours avec des journalistes de métier n'y arrivent pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche quand même. Je dis pas qu'ils font exprès. Je dis juste que c'est leur métier, ils ont été formés pour ça, et ils sont compétents à n'en pas douter. Donc euh, non c'est chaud. C'est chaud. Euh... Ah, il y a Edouard, je sens qu'il a faim. Il est fort, midi pile, c'est bon appétit. Donc bon appétit les amis, absolument, absolument. Bon appétit. Ceux qui sont à table, qui écoutent peut-être entre le, entre le sandwich et le dessert. Euh... Voilà un petit peu ce qui se, ce qui se dit. Euh, c'est chaud, Donico 51 qui est chaud. Et est, effectivement, c'est un peu le thème de la journée. Euh... Euh, M3DRK qui dit vous ne voulez pas vous battre pour la France à cause de son gouvernement, vous faites peur mais alors c'est pas à cause du gouvernement c'est à cause des raisons d'aller se battre euh, pour l'instant attention on, pour l'instant il y, y en a pas vraiment enfin il y en a pas vraiment, on sait pas d'ailleurs mais, euh, mais je, je suis d'accord, c'est un, un vrai débat hein. je, te, je te dis pas ça par fierté hein. c'est un, un vrai débat, une vraie question qui se pose euh, sur, sur, sur cet engagement, sur, sur tout ça hein. je, je suis d'accord, je suis d'accord euh, ouais, il ouais, y, y a beaucoup de choses, hein, c'est fou. Hein. Dynamo qui dit l'air frais arrive de l'océan. Ben on, on espère hein, que ça va aider nos, nos pompiers sur le terrain. Flore Dégis qui dit le sujet est aussi autour de l'obéissance. Quand on voit comment tout le monde a réagi au confinement, au masque, à ne pas manger dans le train, etc., je ne sais pas qui aujourd'hui serait résistant. Bah... Pff, ouais, c'est vrai. Après, je suis. Je suis jamais trop à l'aise avec ça parce que c'est vrai que le, le, le rapprochement me semble, me semble infondé de ceux qui se, se, se nomment résistants par rapport aux mesures Covid et tout ça. Euh... Après, on, 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 enfin, en toute honnêteté intellectuelle, on peut difficilement nier aussi qu'il y a eu l'instauration momentanée, on va dire, euh, d'un état d'un état policier, quoi, d'un état policier quand on verbalise, enfin. Enfin, même au-delà d'un état policier, je pense que c'est euh, je, je connais même pas le mot. En fait, j'arrive pas même en intellectualisant la chose, j'arrive pas à trouver le mot d'un état où les gens ont accepté l'idée, enfin, ont intégré des mesures qui intellectuellement n'avaient aucun fondement. Rappelons-nous quand même, c'est un sujet de blague aujourd'hui, mais que les gens se signaient leur propre attestation de sortie. Intellectuellement, c'est ultra difficile à concevoir parce qu'on ne peut pas parler, en, enfin, entre guillemets, on peut, mais je, je réfléchis à haute voix avec vous parce que je vous avoue que euh, finalement, un État autoritaire, il arrive, il t'oblige et c'est lui qui te met les menottes. Là, on a dit aux gens, vous vous mettez les menottes tout seul et en plus vous avez la clé. Et les gens l'ont fait, quoi. Et les gens l'ont fait. Je ne sais pas, en fait, euh, que, je vous avoue, je, je sèche un peu là-dessus. Je ne sais pas comment qualifier ce genre de. De, de, de comportement où les gens se sont conditionnés seuls euh, et, et font face à un gouvernement presque. Alors, à part sur le port du masque où il y avait des sanctions, il y avait les 135 euros d'amende, mais regardez, la vaccination, elle n'a jamais été obligatoire. Et, et, et encore aujourd'hui, le port du masque, il n'est pas obligatoire, mais on voit des gens qui l'ont dans le bus, on voit des gens qui, même quand ils sont tout seuls, l'ont enfin, et effectivement, c'est tigrou 31 qui est la meilleure prison et celle qui est mentale. aujourd'hui, on, on le voit s'installer quoi? donc, c'est assez, assez redoutable, parce que les ressorts mentaux et intellectuels sont dans les esprits. demain, on a euh, la chiasse de l'huître, euh, l'eczéma de la marmotte. Enfin, on ne sait pas quelle maladie va arriver. les gens seront conditionnés et se diront: euh, je vais mettre le masque, les gestes, les machins, les bidules. Sans même savoir comment se transmet cette maladie, quoi. Sans même, sans même le savoir. Regardez la variole du singe. Euh, on a reparlé du masque, des trucs comme ça et tout, alors qu'apparemment, le mode de transmission n'était pas du tout celui-là. Euh, c'est assez redoutable. Effectivement, c'est Miss Dean qui qu précise absolument. Euh, le, le, sur la vaccination, elle n'a jamais été obligatoire. Par contre, on a conditionné tout ce que tu pouvais faire. C'est-à-dire, on disait. Bien sûr, la liberté. La liberté. Vous n'êtes pas obligé de vous vacciner. Par contre, vous pouvez plus aller au boulot, vous pouvez plus aller au resto, plus de lieu de loisirs. Vos enfants, c'est tout juste s'ils vont à la crèche, euh, enfin ou à l'école. Euh... Enfin, on est... En fait, je crois qu'on est au-delà de l'obligation, parce que l'obligation, à la limite, elle est formelle, elle est claire, et euh, l'État, en plus, est euh... du coup endosse la responsabilité, endosse, endosse la force du fruit d'ailleurs. Donc si l'État avait obligé la vaccination, en cas, par exemple, d'une vague, admettons, hein, c'est de la science-fiction, surtout pas hein, soulever des idées, mais euh, en cas d'une vague d'effets secondaires, l'État aurait été tenu pour responsable également. Là, ils n'ont ont jamais obligé. J'ai vu un article la dernière fois, j'ai vu passer ça où la question s'était posée, enfin, et où la question s'était posée aux États-Unis, en tout cas, sur la responsabilité des médecins aujourd'hui. Parce que, après tout, euh, l'État n'a pas obligé. Donc, en termes de responsabilité légale, ce ne sera pas... Le citoyen, bah, il s'est fait vacciner, donc il ne peut pas être responsable de ses propres effets secondaires. Il faudra que quelqu'un porte le chapeau, légalement. Si, à un moment donné, il y a une vague d'effets secondaires qui est euh, trop grosse pour la masquer, euh, qui, où on est obligé de le reconnaître, on voit des vagues de morts terribles, j'invente, hein, je dis pas, mais, Monsieur Twitch, s'il vous plaît, j'ai rien dit. Hein. Euh, si on a cette vague-là, il faudra trouver un responsable. Juridiquement, il ne peut pas y avoir un procès face à personne. On sait que dans les contrats européens... Les laboratoires pharmaceutiques se sont largement dédouanés avec l'aval de l'Union européenne. Mais le seul coupable, enfin le, celui qui semble être ceux qui semblent être en première ligne, ce sont les prescripteurs et donc le médecin, les médecins ou les infirmiers ou ce que vous voulez. Donc euh, euh, je, là vraiment je réfléchis à voix haute. Hein, C'est un, un, un débat qui je l'espère pas, mais qui pourrait se poser si jamais euh, on a euh, on a une, une vague qui, qui ne peut être cachée, mais euh, c'est assez redoutable. Et je vois effectivement dans les, dans les commentaires, à Audren 6633 qui dit euh, 6663 pardon, je suis aide-soignant et on m'a obligé à me vacciner, sinon c'était la mise à pied à 59 ans. Quel choix j'avais Mais absolument. Mais, mais, mais voilà. Il y a eu des corps de métier où effectivement la vaccination était obligatoire, mais elle était elle a été rendue obligatoire. Il me semble par l'État, mais aussi par les euh, comment dire par les organismes de tutelle quoi au niveau des hôpitaux des choses comme ça. Donc c'est non non c'est c'est euh, assez, assez redoutable. Et avec ce fameux slogan tous vaccinés tous protégés, c'est Argent Orange 69 qui dit ça. On notera qu'il y a des nouvelles pubs du gouvernement où c'est plus le même slogan. Donc euh, voilà, les ARS absolument Donico 51 qui, qui précise les agences régionales de santé, absolument. Donc c'est euh, voilà, voilà Soldona qui dit ça, hein, ma fille de 18 ans vaccinée pour bosser à McDo, ben voilà. Si, si, si tu fais pas le vaccin, ben tu, ouais, tu restes chez toi, il n'y a pas de problème, hein, pas de souci. Mais, mais tu ne fais rien. Enfin, C'est assez redoutable. C'est assez redoutable, et puis financièrement, il y avait eu un article passionnant sur... Il euh, faut que je vous le retrouve, ça, j'ai oublié de prendre les notes, et je l'ai à la baraque. Euh, le magazine Nexus, je trouve qu'il fait un travail très intéressant, euh, qui avait fait un dossier sur tout ça, le, notamment sur le coût représenté par la vaccination, mais c'était un truc de zinzin. Les chiffres, je ne veux pas vous dire de conneries, mais, euh, y avait, mais on était sur du, un, un médecin qui pouvait prendre jusqu'à 2000 ou 3000 euros pour une journée de vaccination. Une journée de vaccination. Et Dans sa poche, c'était lunaire. Faut, je, vais, je vais retrouver le papier, je vous en reparlerai. Euh, c'était absolument lunaire. Donc, voilà un petit peu les amis. Non, c'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas, pas la lambada. Hein, ce C'est pas la lambada. Mais bon. Voilà un petit peu. Hein, euh, ces histoires donc les amis on va on va se détendre on va se détendre parce que voilà je fais le malin mais je suis stressé aussi c'est peut-être ça qui joue déjà il y a le camping des flots bleus euh, il y a tout ça et puis en plus jeudi ça rapproche là on est mardi hein. donc euh, putain il reste deux jours j'ai peur j'ai peur les amis je vous le dis Ouais, premier spectacle, première partie Stéphane Cuvelier à Montpellier. Montpellier, le 21 juillet, ça va être fou. Hein. Mais je vous avoue que c'est après-demain, il y a Montbignac qui dit ça. Ouais, non, mais là, je, je mouille les couches, hein. on va pas se mentir. Hein. Mais, ça, mais ça va être chouette, hein. ça va être chouette. Franchement, j'ai hâte. Hein. Franchement, j'ai hâte. Donc, euh, ouais, ouais, première, Montpellier. Et puis après, c'est Lyon, Lyon, euh, samedi. Donc, euh, bon, bah au pire, je me ferai huer, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais, dans deux dodos, on se fout de ma gueule, arrêtez. Oui, peur. Et normalement, c'est bon, j'ai fini mes blagues. J'ai fini mes blagues. Il y a Manu 4450 qui dit Tu passes à Nantes Non, euh, je passe à Auré. En Bretagne, c'est pas trop loin, il paraît. Mais je vais venir à Nantes. Je vais venir à Nantes parce que je dois prendre le train. Hein, je le dis. Donc, euh, donc, non, ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou. Euh, non, non, vraiment, j'ai euh, hâte. Et puis voilà, c'est un test. Et au pire, bon, bah, si ça se passe pas bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ferai secrétaire d'État. Au moins, je pourrais faire humoriste et un travail sérieux en même temps. Donc, euh, donc non, non, ça va être super. C'est euh, à Auré. Il y a Roma83R qui dit ça. À Auré, c'est euh, 30 juillet à 21h. 21h au Théâtre de l'Ouest, à Auré. Donc, euh, non, ça va être, ça va être fou. Ça va être fou. Euh, Massan3466 qui dit, tu resteras un peu dans Montpellier après le spectacle. Alors, je resterai à la salle. Il y a en fait une fête qui est prévue. Donc, euh, donc ce jeudi, un hein, jeudi 21, il euh, y a, euh, donc il y a le spectacle, hein, au théâtre de l'Odéon à Montpellier. Et après, on reste tous, on va rester tous ensemble vraiment pour faire un peu la fête. Il y aura des musiciens et tout, ça va être tout à fait chouette. Donc, n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez. Il n'y a plus de place. En plus, c'est fou. On est à guichet fermé, t'imagines? Euh, déjà, on est à guichet. On est à Guichon. Euh, mais c'est la fiesta. Après, c'est la fiesta. Donc, même si vous avez peut-être pas de place, ça va être super. On va s'éclater, on va se fendre la gueule. Donc, euh, non, non. Ça va être quelque chose. Après, euh, voilà, je vais répéter ce soir, euh, je répète demain. Euh, demain, tu vois, je me, je, me, je me fais un petit concert. Je te révèle. Pour me déstresser, parce que sinon. Euh, tu vois, ma hantise, c'est d'arriver et d'avoir le jeu d'acteur de Valérie Pécresse. Debout Alors. Là, vous montez sur scène, vous me dégagez. Donc, non, j'espère qu'on fera la chenille. Effectivement, c'est agent Orange qui dit ça. Euh, mais, qu'est-ce que je vous disais Oui, demain, pour couper la route, parce que je pars de Lausanne, je vais voir Woodkid en concert. J'adore. J'adore Woodkid. À Vienne, en France. Hein. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Tu sais, je vais être comme ça. Ça va me déstresser, la musique. Puis après, j'irai à l'hôtel. Je ne vais pas dormir, je pense. Et puis voilà. Et puis voilà, donc non non, je vous raconte un petit peu tout ça, donc ça va être beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Donc voilà, on va se régaler. J'ai hâte. En fait, c'est paradoxal, j'ai hâte. J'ai hâte, mais j'ai peur. C'est, je sais pas, on dirait une première fois dans un club échangiste, tu vois. C'est, très bizarre, très bizarre. Je sais que je vais boiter demain, mais il euh, y a quand même l'excitation d'y aller. Voilà, petite, hein, petite blague. Euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Euh, donc on verra, on verra ce que ça donne. Mais euh... Ça va être beaucoup de plaisir. Ça va être beaucoup de plaisir, les amis. Donc voilà, un petit peu. Ça va être zinzin. Donc forcément, vous l'imaginez bien. Euh, vous l'imaginez bien. Il y aura. Euh, voilà. La semaine euh, va être un petit peu chamboulée. The hein, week will be chambouled. Euh, parce que forcément. Euh, ben voilà, je pars en vadrouille euh, entre Montpellier, et Lyon et tout ça. Donc euh, qu'est-ce que je. Donc il y a. La farce tranquille demain, ça c'est bon, il y a la matinale demain, matinale, 8h30, on va se faire l'actu ensemble, beaucoup de plaisir. Donc euh, la matinale demain, la farce tranquille demain soir, il y a une nouvelle chronique qui arrive sur Juste Culture. Ah c'est une journée, c'est du 100% Rémi. Ah ça y est, je travaille avec les Avengers, demain c'est que ma tronchette. Pour ceux que, à qui ça revient pas, euh, partez faire une rando. Ah le matin c'est matinal. 18h, farce tranquille, et 19h sur Juste Culture, une chronique de livres et un bouquin de Juan Branco. Je pense que ça va vous plaire. Donc rendez-vous sur Juste Culture. Ça, c'est la, la foule mercredi. Après, qu'est-ce qu'on a Vendredi, il y a une vidéo, je regarde plein dingue. Euh, vendredi, on a la vidéo, ça, ça va vous plaire. Ah, je vous connais, bande d'affreux Jojo. Euh, Joe Biden est-il sénile À 18h vendredi, sur Juste Milieu. Et puis. Et puis, je crois qu'on sera bon. Euh, si je dis pas de conneries, je, je vous redirai. Je vous redis demain. Je crois qu'il y a peut-être une vidéo ce week-end encore. faut que je regarde le planning. Enfin, beaucoup de plaisir. Naviguer entre juste milieu, juste culture. Faites-vous. Prélassez-vous. Ouvrez grand vos méninges. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, on déconne. Donc, je vois qu'il y a des petites questions euh, sur le, le, le spectacle. J'y réponds un petit peu. On a encore un peu de temps. Il est que midi 14. J'en ai un en régie qui est affamé, qui va me buter. Ça enfin, euh, Monbignan qui dit Rémi, question pratique, si le spectacle commence à 21h une heures, tu passes à quelle heure Alors je fais la première partie. Stéphane Cuvelier me fait confiance et merci encore à lui euh, pour la première partie de son spectacle. Donc euh, je commence au tout début et euh, c'est une petite quinzaine de minutes. Environ. Puis après c'est Stéphane Cuvelier l'artiste derrière, le professionnel. Voilà donc euh, c'est le stagiaire au début, après c'est moi. Donc euh, donc voilà c'est en fait je commence au début du spectacle. Ah oui non ça va être ça va être cocasse. Ça va être cocasse. Donc, voilà un petit peu euh, ce qui se passe. Et puis, et puis, et puis voilà. voilà. Il y a Romain Durive qui dit Je te paye à bouffer si tu fais un bide. Me chauffe pas, parce que moi tu sais, euh, pour un bon gueuleton, euh, je suis capable de prendre la honte de ma vie. Hein. Attention. Moi. Donc, non, non. Voilà un petit peu là. Un petit peu l'histoire. Donc, on verra les amis. J'avoue, j'ai hâte, hein. J'ai hâte parce que imagine ça se passe bien. Imagine, euh, les gens rient. Sur un malentendu, ça peut passer. Euh, les gens rient, euh, ça peut me donner des idées. Autant Jiffy, ils ont des idées de génie, autant Rémi. Euh... Bon, il a des idées de merde, mais parfois c'est du génie. Donc on verra. On verra. Ah non, il y a Roma83R qui dit Tu prévois un petit after en loge après. Non, non, ça va finir en le canard enchaîné, cette histoire, je connais. Attention. <laughs> non, non, on verra. On verra ce qui peut se passer. Donc voilà un petit peu, les amis. Ce qu'il a, et puis en plus, euh, et puis en plus, euh, Tour de France cet après Tour de France, ils étaient euh, en repos. hier Ils étaient en repos. Aujourd'hui, c'est Tour de France, ça repart. Donc, on va se régaler. Euh, c'est cet après-midi, belle étape. Ça attaque les Pyrénées. On va se régaler. Donc, ça, je, je regarde le Tour cet après-midi. Euh, ça va être chouette. Ça va être chouette. Donc, euh, les amis les amis, voilà, on, on vous boucle là-dessus, j'ai grand faim aussi, en fait, je vais être très honnête avec vous, j'ai grand faim, il euh, y a tomtom 200 qui dit, toi sur scène, rediff sur Twitch ou Youtube, euh, alors, normalement, non, normalement, non, je vais voir, euh, peut-être, il y a moyen de filmer, peut-être que j'aurai une invitée spéciale qui pourra filmer du côté de Lyon, on va voir si j'arrive, faire des petites captations, je vous proposerai des petits bouts, euh, on va voir ce qu'on peut faire, mais il n'y aura pas de diffusion en direct, quoi, ne pas déconner, hein. je peux suis pas encore le Gad en plus, c'est mes blagues, donc je suis pas du tout gademalé. Donc, euh, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a mon bignat qui dit, tant qu'on est sur le Tour de France, euh, c'est vrai, c'est info faux Ou on arroserait la route pour rafraîchir les coureurs Alors, Apparemment, oui. Apparemment, oui. Euh, J'ai vu... Euh, J'ai vu... Euh, comment dire euh, J'ai vu une vidéo sur Twitter. Après, je sais pas si c'est véridique. J'ai vu un truc sur Twitter. Donc, honnêtement, je peux pas dire à 100%, mais euh, ça m'étonnerait pas, malheureusement. Voilà, ce qui est complètement débile, mais bon... Il euh, y a Justine, 13-12-80, qui dit Moi, je vais te voir en vrai samedi à Lyon. Arrête, juju. Oh, on va déconner. À Lyon, après, tu vois, après, je suis tranquille. Il y aura les deux premières dates passées. Ouh. Après, je vais souffler. Donc, samedi soir, laisse tomber. Hein. Ça va être la chenille dans les rues de Lyon. Enfin, dans les rues. Le théâtre de l'Ouest à Lyon, hein, où ça va se passer, cette affaire, euh, c'est à côté du Parc OEL du nouveau stade. Donc, je pense qu'il faudra prendre le transport. J'espère qu'il y a des petites bars et tout à côté. Ouais. si vous. Ou vous des trucs un peu sympas, là. vie et B, là. Je sais pas quoi, là. c'est bien, ça. Ils font de la bière. Enfin, je leur fais pas de pub, hein. J'ai pas de partenariat avec eux. Hein. Pas encore. Mais euh, ça, c'est bien. Tu des trucs comme ça, souvent que t'as en zone commerciale, à l'extérieur des villes. Tiens, je vais regarder tout de suite. Parc coel, Bar. Voilà. Ça, c'est la recherche. Donc, euh, après, je sais pas. Euh, je crois que je pionce pas loin, mais je sais pas où. Euh, je sais pas, je connais pas le coin. Il y, y a des bons bars ou pas À millionner, là. Ceux qui connaissent, il euh, y, y a de quoi faire ou pas euh, ouais, y a les ouais, le musée, on s'en fout. Euh, Biscotte BAB, c'est quoi ça. Ouais, j'ai la carte, hein, je vous le dis, hein, j'ai la carte. Ouais, bon, on verra. Hein, pas l'impression que ce soit la Zizaniste cette affaire. On va voir ce que ça donne, mais. Ah, euh, oh, je le sens pas trop. Bon, on verra Ça va être que du plaisir. Non, je déconne. Bon, bah, franchement, ça va être super. J'ai hâte. J'ai hâte. S'il y en a qui connaissent des barres dans le coin, vous me faites signe. Et puis, euh, ouais, ça a l'air d'être à l'extérieur quand même. C'est bien à l'extérieur cette affaire. Ouais, c'est ça. C'est dehors. carreau mes yeux gars. Dessine, charpieux. Le molard. Il y a un truc pas loin qui s'appelle le Molar. Bah pourquoi pas. Ah, c'est pas loin de Vaux-en-Velin. Genre ça, moi. Ouais. Ah, c'est grand. Il est grand ce stade. C'est fou. On verra. On verra. Donc, voilà. Voilà les, les amis, euh, en fait, mais je sais pas si je vous dis pas des conneries, hein. non, attends, je, je vérifie quand même, parce que j'ai l'impression que je vous dis n'importe quoi. Ouais, théâtre à l'ouest de Lyon, ouais euh... ah, si, c'est ça, hein. c'est ça, c'est à côté du truc, ouais si, c'est ça, c'est par là, hein. c'est par là, ouais, il y a un gymnase, ça a l'air d'être ça, ouais, ouais. Ouais, on va voir. Bon, peut-être qu'après, on naviguera. J'en sais rien, en fait. Je sais pas du tout euh, ce qui est, qu est prévu. Je vous avoue, j'en sais rien du tout. Donc, on va voir. On va voir. Voilà un petit peu, euh, les amis. Les amis. Voilà, J'espère que, euh, que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, tout ça. Ce 48e épisode du Juste Bistro. Merci à vous d'être hein, de plus en plus nombreux. Je le dis à chaque fois, je radote, mais bon, Le radote de la méduse Allez, celle-là elle sera pas dans le spectacle par exemple. On va finir comme ça. Les amis, merci à vous. Donc je vous l'ai dit semaine un petit peu chamboulée, voilà. Tout ça pour dire que vendredi, pas de juste bistrot. Malheureusement vous l'imaginez, je serai en tournée. Tournée triomphale. Donc euh, pas de juste bistrot. Euh je vous embrasse, merci, merci pour votre soutien, donc rendez-vous jeudi, pour les amis qui seront là à Montpellier, et rendez-vous, euh, rendez-vous euh, samedi, samedi à Lyon, ça va être fou, en plus j'ai les copains qui viennent et tout, ça va être super, donc merci à vous, les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite, au plaisir de vous serrer la pince, pour de vrai, in real life, comme on dit. À Las Vegas. Euh, voilà, je vous embrasse. Bonne journée. Bon courage pour ceux qui sont en boulot. Profitez bien s'il y en a qui sont en vacances. Et puis voilà, je vous dis à très très vite. Et puis, euh, puis voilà, c'est tout. J'ai que ça qu'à dire. Allez, ciao, ciao. Effectivement, je me suis trompé de panneau. Pour ceux qui sont encore là, on peut continuer à faire des blagues. Non, je déconne. En fait, je me suis trompé de panneau, mais euh, j'ai quand même parlé de Mathilde. <laughs> panneau. Allez, ciao, ciao Édouard, euh, tu te calmes dans le chat. Merci beaucoup. Le petit Dimitri est attendu à l'accueil du magasin, le petit Dimitri est attendu par ses parents. Et je rappelle que je vends une Dacia bleu métallisée qui roule au GPL, 162 000 km au compteur, n'hésitez pas à me contacter.